et l'enregistrement. Donc l'enregistrement a commencé, si j'ai bien compris, Colline. Il y a encore des gens qui arrivent, Anaïs, mais on commence dans 1 minute ou 2. Par contre, il faudrait peut-être que tu me donnes la main. Je ne sais pas si je peux partager l'écran. Non. Bonjour, juste pour vérifier que mon micro ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à l'éteindre si vous m'entendez, c'est que j'ai un problème. On vous entend Je vous très bien. entends. On vous Ouais, entend. je suis désolée. Bon. Je cherche comment le couper Eh ben, et. je peux vous couper votre micro si vous voulez, mais il faut Ah, que je ne saurais pas le je vous réouvrir. Donc, si vous n'avez pas un environnement bruyant, vous pouvez le laisser ouvert pour tout le temps. Non, je préfère que vous le coupiez. Je vous remercie. Et je lèverai la main si j'ai des questions. Très bien. N'hésitez pas aussi par le chat si vous préférez. OK. Eh ben, on peut y aller. Normalement, Anaïs, je t'ai autorisé les droits de partage pour tout le monde d'ailleurs. Et moi, j'assure l'arrivée des autres personnes de le moment. Oui, la présentation. Oui, on voit la présentation. OK, parfait. Allez, 14h04, on va débuter du coup. Tant pis pour les retardataires, ils se connecteront en cours de route. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc. Le collectif Cadres a souhaité faire un point sur l'aspect économique du réemploi et notamment les modèles économiques des structures. Alors quand je dis structure, c'est tout type de structure, hein, pas que celles qui font, celles aussi qui commandent, plutôt l'économie du réemploi au sens assez large, hein, autant dans sa propre activité que sur un projet. Voilà, la thématique était donc ouverte à tous et à toutes aujourd'hui. Donc on va commencer le webinaire par une restitution. On avait lancé une enquête au courant du mois de février, justement, pour essayer de construire ce format aujourd'hui. Et du coup, il nous semblait intéressant de vous partager très rapidement les retours sur cette enquête et qui nous ont mené, du coup, à construire déjà ce premier temps d'aujourd'hui et un deuxième temps dont on parlera plutôt à la fin du webinaire. Donc je vais commencer rapidement par la synthèse et puis si vous avez des questions, il y aura un temps d'échange juste après la synthèse. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à la fin à lever la main pour pouvoir poser des questions. Alors, du coup, donc, on avait lancé cette enquête en février. On avait eu 47 réponses qui étaient quand même un joli score pour nous. Ce qui était intéressant, c'est que répondants étaient représentants de tous les corps d'État qui interagissent sur la thématique de l'emploi, donc depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'au faiseur, et étaient répartis quand même de manière assez homogène aussi sur le gros territoire qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Donc plutôt quand même des réponses qui sont assez représentatives de l'ensemble de la filière. Une chose qui est quand même assez notable, c'est que une grosse proportion d'entre eux ont jugé leur modèle économique comme fragile ou en construction, ce qui nous surprend pas, à vrai dire, mais ce qui nous a conforté dans l'idée qu'il était intéressant quand même que Cadres puisse proposer des temps sur le sujet de la consolidation des modèles économiques autour du réemploi. Et un fait aussi assez intéressant, c'est que dans les questions notamment qui étaient libres de réponse, quand on demandait quelles étaient les actions qui pouvaient être pertinentes à faire pour aider les structures à consolider leur modèle économique, ils ont cité notamment le besoin de projets d'outils structurants comme une plateforme numérique ou la mise en place de cahiers des charges type,
des outils aussi pour l'aide à la gestion, à la mutualisation de moyens et sur l'offre de formation. Et il se trouve que ça colle quasiment à la feuille de route de Cadres de l'année 2. Donc on était quand même plutôt contents de voir que nos actions collent avec les besoins de la filière. Très rapidement après sur les questions qui ont été posées notamment aux acteurs, donc là plutôt aux faiseurs du réemploi. Il y avait plusieurs questions qui étaient posées, notamment sur quel était leur public cible. Donc, sans trop de surprise, le public cible des acteurs du réemploi sont les maîtrises d'ouvrage pour 70% d'entre eux, 60% sont les particuliers, 46% seulement les professionnels. Sur la question de comment ils arrivaient à capter du coup leur clientèle, plus de 70% d'entre eux fonctionnent avec le réseau et le bouche à oreille. Et quand on regarde, après, on a quand même un gros décroché sur le reste des moyens de captation, et notamment sur la partie prospection active qui tombe à 38%, ce qui peut être aussi, du coup, un levier à activer peut-être pour les structures de tendre vers un peu plus de communication et de communication active pour capter une clientèle peut-être plus large. Et aussi, une question qui me semblait intéressante de soulever, parce qu'on entend parler souvent du modèle économique du réemploi comme étant beaucoup soutenu par les subventions. Et au final, on voit quand même que les ressources principales des acteurs du réemploi sont en autofinancement pour 70% d'entre eux. Seulement 20% ont une grosse part de subvention dans l'aide à leur fonctionnement. Donc, quand on a questionné en fait les acteurs sur les axes de travail qu'ils devaient mener pour pouvoir consolider ou développer leur modèle économique, plusieurs éléments sont ressortis. Donc le développement de partenariats, la mutualisation de moyens, la prospection, la communication et la mise en place d'outils et de compétences pour la gestion de leur structure. Donc ça, c'est un point qui nous semblait intéressant et qu'on voulait développer aujourd'hui, c'est que au final, les structures qui sont en place, qui sont souvent des structures récemment créées, avant de parler de problématiques qui seraient liées à la filière du réemploi, il y a aussi des problématiques qui sont liées juste à la gestion d'une manière assez générale de leur structure. Et donc, on aura juste après cette synthèse, la présentation de certains outils d'aide au développement ou à la création d'activités ou de projets. Qui sont plutôt d'ordre généraliste et pas forcément liés au réemploi. Mais il semblait important du coup de redire aux structures qu'il existait tout un tas d'outils et d'aides pour pouvoir déjà aider la structuration de leur entité. Quant aux maîtrises d'ouvrage, les axes qui ont été mis en valeur pour développer du coup leur modèle économique sur leur projet intégrant du réemploi, ce sont intégrer des compétences réemploi au sein même de la maîtrise d'ouvrage, prendre en compte le coût environnemental et la mise en place d'outils pour la consultation des entreprises et des maîtrises d'œuvre, enfin en tout cas tous les corps de métier qui accompagnent les projets intégrants du réemploi. Et pour clôturer, 66% des répondants ont jugé qu'il serait utile que Cadres réalise une action sur le modèle économique. Donc, nous voilà aujourd'hui pour en parler. Donc, si vous avez des questions peut-être sur cette première partie de synthèse, n'hésitez pas. Après, j'ai réalisé une synthèse un peu plus fournie, mais qui est assez courte, du questionnaire que je pourrais joindre en restitution du webinaire volontiers à ceux qui s'étaient inscrits. Donc, je sais pas s'il y a des questions dans le Je chat. me permets de juste, je ne crois pas, Anaïs, que tu te sois présentée jamais dans les 25 personnes autour de la table. Mais c'est pas grave, tu C'est as vrai. déroulé un Tellement camping. l'habitude de présenter Cadres. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anis Castaldo, je représente Hydre et du coup, je pilote et coordonne l'action Cadres pour cette année 2. Pardon, Et tu as moi, je raison. veux bien commencer les questions, c'est pour enclencher, parce que je ne l'ai pas entendu ou pas vu, mais peut-être que tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous redire combien tu as eu de répondants, combien on a eu de répondants sur ce questionnaire? 47 répondants sur ce Ok. questionnaire. Ok. Voilà Pour pour moi. Et juste l'instant. peut-être pour inviter les gens à échanger, pour nous, ce questionnaire, il a été fait pour amorcer les discussions avec vous et peut-être penser un temps plus long et plus fléché, plus ciblé.
pour répondre aux enjeux que vous avez les uns les autres. Voilà, donc c'était une amorce de discussion et merci pour les répondants au questionnaire. C'est La Rochelle Université. Pardon, c'est quelqu'un qui est arrivé qui n'avait pas son micro fermé. Il y a une question dans le chat de Julie Andro du CA Grand Périgueux. Lorsqu'on parle des maîtrises d'ouvrage, parle-t-on des collectivités publiques ou est-ce plus large? Non, c'est plus large, hein. Alors effectivement, les collectivités publiques, mais maîtrise d'ouvrage, on a aussi, en tout cas là dans les répondants, plutôt des bailleurs sociaux. Ça pourrait aussi être des maîtrises d'ouvrage privées, mais de mémoire, je ne crois pas qu'on ait une maîtrise d'ouvrage privée qui ait répondu au questionnaire. Sans prix. Il y a d'autres questions, sinon on peut continuer et vous pouvez de toutes les façons les mettre au fur et à mesure. On fera des pauses régulièrement après chaque grand chapitre. Et Voilà. voilà. Et puis on aura de toute façon le dernier temps qui sera dédié à de l'échange avec vous. Alors du coup, pour introduire la suite, merci Colline de me rappeler qu'il est bien qu'on se présente, parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Du coup, comme j'expliquais, cette enquête nous a permis de nous dire que, il y avait déjà un besoin qui était facilement, en tout cas, traitable par les structures qui composent le collectif qu'adresse, de réexprimer en tout cas les outils et les aides qui peuvent exister pour les structures qui sont soit en cours de création, soit en développement. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Colline Laurent-Dattis, Théamana Galliano de l'INAE et Louise Alonneau de la CRES qui sont là pour vous présenter les différents dispositifs. Donc, elles vont enchaîner leurs interventions sur les outils qu'elles connaissent bien. Et puis, vous aurez tout loisir de poser des questions à la fin des trois interventions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Et donc, on débute Peut-être avec pour appuyer ce que vient de dire, après Louise, hein, je te laisse parler de la CRES, pour appuyer ce que vient de dire Anaïs, les outils qu'on vient de présenter, certains, vous allez les connaître très très bien, c'est des outils très généralistes, mobilisables par n'importe quelle structure. On les a plutôt positionnés sur des phases de développement ou de consolidation, moins en création. On s'est dit que c'était vraiment l'objet de l'échange aujourd'hui. Pour chacun, il existe en tout cas, il y a des moyens de les mobiliser à différents moments de vos vies et des difficultés de vos structures. Donc après, nous, on se tient à disposition pour préciser un peu les moyens de les mobiliser. Mais voilà, là, on a une espèce de revue d'outils et d'aides mobilisables par les structures que vous êtes. Louise? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais présenter le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà bien ce dispositif, mais je pense que c'est assez intéressant d'en reparler parce que c'est vraiment un outil fort d'accompagnement pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un dispositif public et gratuit qui va être porté de façon nationale et ensuite décliné dans tous les départements français. C'est toi, Anaïs, qui as la main sur le diapo. Donc je te laisse changer de diapo. Donc ça a été créé en 2002 avec, voilà, comme je disais, hein, une supervision nationale et avec des déclinaisons départementales et locales. Vas-y, tu peux passer aussi également. Parce qu'en fait, le cœur du sujet, c'est plutôt quand est-ce qu'on peut le mobiliser? Donc ça va être mobilisable à différentes phases du développement de projet. Donc on va être plutôt sur de la phase de lancement, c'est-à-dire avant de devenir employeur, donc sur de l'amorçage, premier emploi, et sur la fonction vraiment, je passe à une vraie fonction employeur et comment est-ce que je gère cette fonction-là qui est nouvelle dans ma structure, parce que ça va arriver très vite en fait. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, plutôt dans une phase de consolidation, sur plusieurs thématiques. En fait, le DLA, ça va être ça. On va travailler sur plusieurs thématiques qui sont à l'écran ici. Donc, ça va être de la stratégie, retravailler le projet également,
consolider les emplois, puisqu'on est déjà dans une phase de consolidation, donc on a déjà eu les premiers emplois, mais comment est-ce qu'on vient pérenniser un petit peu tout ça? De la révision du modèle économique, et c'est là que ça peut être particulièrement pertinent, hein. De l'amélioration de la... Du coup, il est deux fois améliorer la stratégie, la révision de la gouvernance, le développement des partenariats, et puis après, il y a toute une palette d'enjeux qui peuvent être très spécifiques, qui peuvent être développés grâce au DLA. Mais voilà, dans l'idée, ça va être vraiment sur des points très stratégiques internes, de façon individuelle, mais il peut exister également des accompagnements qui vont être collectifs sur des thématiques. Qui vont varier en fait, soit par département, mais il peut y avoir aussi des accompagnements collectifs au niveau de la région. Donc ça, c'est un petit peu au cas par cas. Donc faut pas hésiter en fait à prendre contact avec les structures DLA locales, puisqu'il y a une représentation du DLA par département. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées hein, sur Internet. C'est assez facile de trouver toutes ces infos-là. Je te laisse passer à la diapo suivante. Sur comment ça se passe, déjà à qui ça s'adresse. Donc, c'est toutes les structures de l'ESS. Donc, là, il n'y a pas de discrimination, entre guillemets, que ce soit des associations employeuses ou avec volonté de le devenir. Et parmi celles-ci, on peut compter les structures de l'IAE, des coopératives, en SCOP ou en SIC, et également. Des sociétés commerciales qui adhèrent au principe de l'ESS, donc des sociétés commerciales de l'ESS. Et la petite obligation, ça va être qu'elles vont devoir être agréées ESUS. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'agrément ESUS. C'est un agrément que toutes les structures de l'ESS peuvent demander et qui vient un peu justifier de cette utilité sociale. Et notamment pour les sociétés commerciales, il va y avoir un travail vraiment important réalisé au niveau de l'utilité sociale qui va être demandé. Et donc ça, c'est peu importe la thématique et le domaine d'activité de l'entreprise. Culture, sport, santé, réemploi, peu importe le domaine d'activité. Vas-y, je te laisse changer de diapo. Et donc, concrètement, comment ça marche, comment ça se passe? Donc, il va y avoir un premier accueil, première phase d'accueil réalisée par les accompagnants du DLA. Ouais, merci. et en fait, l'idée, ça va être de déterminer si l'accompagnement proposé par le DLA va être vraiment pertinent et s'il y a une vraie adéquation avec les besoins de la structure. Donc ça va être possible dans cette étape de diagnostic partagé avec une analyse des enjeux, des besoins, etc. Et une fois que ce diagnostic aura été réalisé, il va y avoir un vrai parcours qui va être réalisé sur mesure en fonction des besoins qui auront été identifiés dans ce diagnostic, avec une vraie priorisation. Des axes, donc sur les thématiques dont on a parlé tout à l'heure, la gouvernance, le modèle économique, etc., etc. Et en fait, la petite particularité, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le DLA, c'est que ce ne sont pas les accompagnants du DLA qui vont mettre en place le parcours, ça va être des cabinets de conseil et des professionnels experts sur les thématiques qui sont dans le catalogue du DLA qui vont réaliser sur mesure l'accompagnement avec la structure. Et ensuite, il va y avoir toute la mise en œuvre de cet accompagnement. Et l'idée, ça va être d'être bien disponible pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement le plus positif et le plus concret pour la structure. En moyenne, on est sur un accompagnement qui va durer un an. Donc, vous voyez, il faut quand même être assez disponible pour pouvoir faire en sorte que cet accompagnement il soit positif pour la structure. Et puis enfin, une fois que l'accompagnement est terminé, il y a toute une phase de suivi et d'évaluation de l'année passée pour savoir si ça a bien répondu aux besoins qui avaient été identifiés lors du diagnostic et puis éventuellement d'identifier des nouveaux besoins qui auraient émergé
Parce qu'en fait, le fait de résoudre des problèmes de gouvernance, bah, en fait, on va pouvoir se mobiliser ensuite sur des questions stratégiques ou de modèles économiques, etc., etc. Donc, c'est vraiment un suivi très complet bah, il faut en profiter parce qu'en fait, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup moins représentés dans les structures qui vont venir solliciter le DLA. Par exemple, en Gironde, il y a beaucoup de sollicitations du milieu culturel, alors que proportionnellement au reste des structures ESS locales, bah, elles vont représenter pas tant de pourcentage que ça. Et pourtant, elles vont être surreprésentées au niveau du DLA, mais parce que bah, elles ont cette habitude de faire appel à ce dispositif-là. Donc, nous, on prêche un peu pour que d'autres structures n'hésitent pas à mobiliser le DLA parce que c'est vraiment une belle opportunité. Puis là, en plus, c'est tout gratuit. Donc, il faut en profiter au maximum. Peut-être préciser, Louise, mais tu me dis si j'ai tort que le DLA est mobilisable au maximum une fois par an et par structure. Donc ça veut aussi dire Exactement. que dans la vie de sa structure, à différents moments, on peut, bah, tu l'as sous-entendu, mais voilà, on peut aller solliciter plusieurs fois le DLA. Exactement. Parce que ben, une année, on va plutôt avoir des questionnements sur la stratégie, mais au bout d'un moment, on va peut-être vouloir revoir sa gouvernance, etc. Et ben, on a une vie d'entreprise, hein, donc il va se passer beaucoup de choses. Et donc, faut pas hésiter, ouais, à mobiliser le DLA plusieurs fois dans sa vie. Merci beaucoup Louise. Du coup, Merci. je crois que c'est à toi, du coup, Colline, pour la suite. Alors j'en profite juste avant que Colline prenne le relais sur parler un peu du DLA pour apporter aussi quelques éléments. Nous, en tant que Renaître, on accompagne des structures dans leur DLA. On trouve que c'est vraiment un moyen pour pouvoir se poser, mettre des sujets sur la table, voir lesquels sont les plus importants et se faire aider dans le développement de la structure. Il y a des DLA collectifs, comme tu disais, Louise. Nous, on vient d'en finir, par exemple, avec les structures du réemploi de Dordogne. Donc, ne pas hésiter vraiment à définir un projet conjointement, pardon, avec les personnes qui vont vous accompagner, qui auraient été sélectionnées pour faire ce DLA. C'est quelque chose au long cours. Il faut savoir aussi que voilà, il y aura au moins 4 jours où ça va vous demander du travail, hein. C'est pas seulement du travail pour la structure, c'est aussi aller chercher en soi et dans son projet les bases et les solutions. Nous, on va vous apporter des pistes à rechercher. On parle d'accompagnement, mais on parle aussi des pistes financières aussi. Donc voilà, ça c'est le petit complément qu'on peut vous apporter en tant qu'accompagnateur de ce DLA. Colline, pardon, je t'ai coupé. Pas de problème. Et n'hésitez pas, hein, question sur le chat où on y reviendra après. Là, on déroule, nous, les outils classiques et après, on échange avec vous. Vous connaissez sans doute CAPAM, mais on revient quand même dessus. CAPAM, c'est un dispositif animé par Front Active Nouvelle-Aquitaine. C'est Thibaut Duchemin, pour ceux qui le connaissent, qui est en charge de CAPAM. Il y a deux CAPAM, il y a un CAPAM amorçage et un CAPAM développement. Là, j'ai fait un focus sur les CAPAM développement en se disant qu'on s'adressait plutôt aux structures existantes qui avaient des enjeux de consolidation, de développement ou pour faire face à des difficultés relatives à leur modèle économique. CAPAM, c'est un parcours qui dure 6 mois à peu près. Il y a deux endroits où il est proposé, c'est à Bordeaux et à Tarnos. On dit qu'il y a un CAPAM Nord et un CAPAM Sud. On vous questionnerait pour savoir si Bordeaux est le nord de la Nouvelle-Aquitaine, mais ça, c'est la dénomination qu'on leur donne. C'est un accompagnement collectif qui a pour objectif, en tout cas pour objet spécifique, la gestion économique et financière des structures. C'est un accompagnement généraliste dans le sens où il mélange des structures issues de secteurs d'activité multiples, mais on s'adresse. Voilà, spécifiquement à la question économique et à la question de recherche de financement. J'ai fait un focus là, hein, vraiment sur CAPAM Développement. Vous irez voir CAPAM Orsage qui s'adresse par exemple aussi plus à la question des premiers emplois. Il y a des critères sur lesquels vous êtes, enfin, je l'ai dit quand même, mais il faut être une structure de l'ESS. Pour CAPAM Développement, il faut avoir au moins 3 années d'exercice derrière soi.
Il faut arriver avec sur la table un projet de développement, d'essaimage, une problématique définie. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas pris en charge dans cet accompagnement spécifique. Et il faut avoir des besoins en recherche de financement. Tous les ans, il y a un jury composé de partenaires qui détermine qui rentre dans CAPAM ou pas. J'ai un trou là, mais je dirais que les promos, alors nord ou sud, je dirais que c'est une dizaine de projets à peu près. C'est ce que j'ai en vision. Grosso modo, je ne sais pas si c'est 8 ou 12, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, il y a un petit enjeu parce que c'est très bientôt le prochain, l'appel à candidature est ouvert encore pendant une dizaine de jours jusqu'au 10 juin. Cette année, par exemple, moi, parce que le CAPAM de Bordeaux se réunit dans nos locaux au point commun pour vous donner des idées, j'ai vu qu'il y avait Enercop qui était autour de la table, j'ai vu qu'il y avait la Bonne Graine, je vous l'ai dit comme ça au cas où c'est des projets que vous connaissez, il y a la Bulle, voilà, c'était juste si c'est des noms d'acteurs que vous connaissez, et puis si jamais vous voulez échanger avec des historiques qui sont passés par là pour savoir ce qu'ils ont pensé et vécu dans cet accompagnement. Enfin, donc c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça s'adresse spécifiquement au sujet des modèles éco. Je pense que quand même ce qu'il y a à dire sur cet accompagnement spécifique, c'est que on n'est pas sur un. C'est compliqué d'arriver là quand on est dans un moment d'urgence ou dans un moment de grande difficulté. Je pense que c'est plutôt spécifiquement pour des structures qui ont voilà, qui anticipent leurs besoins de financement pour un projet de développement ou d'essaimage spécifique. Voilà. Thibaut Duchemin, il est à la manœuvre et c'est le principal animateur de ce dispositif, mais il fait intervenir d'autres structures extérieures tout au long du parcours pour venir aussi nourrir des compétences et d'autres visions. Voilà, l'idée était d'être rapide. Nous, on vous remettra les éléments après, les liens pour accéder aux différents dossier de candidature et on est à votre disposition pour plus de précisions. Après, j'ai mis des éléments, si tu peux. Ah oui, j'allais aller après. Ça, c'est un mini point que peut-être que certains ne connaissent pas. En vrai, je ne l'avais pas mis et c'est mes collègues qui me disent il faut absolument que tu mettes ce slide-là. Pour vous redire, si vous ne le savez pas encore, que le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a une ligne de financement qui s'appelle l'aide au conseil. Souvent, elle est mobilisée après le DLA, après CAPAM. En fait, on va aller chercher de l'argent pour mettre en œuvre des conclusions qui ont été travaillées dans des parcours type DLA. C'est une aide qui est entre 5 et 10 000 euros et c'est un taux d'intervention de 80%. Donc on est quand même sur un beau taux de couverture. Le seul critère, c'est d'être une structure de l'ESS et vraiment, ça peut venir faire effet, ça peut venir financer plein. En vrai, j'ai pas du tout mis tous les. Enfin, toutes les dépenses éligibles, mais c'est pour des études de FESA, c'est pour. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Alors, si ça ne peut pas être plus vague, apporter de l'expertise pour franchir les étapes stratégiques du développement de l'entreprise. On est sur un endroit très, très vague, mais justement, où il y a plein de choses qui rentrent dedans. C'est une aide qui est méconnue, et vos interlocuteurs privilégiés pour savoir si vous avez droit à cette aide, c'est les chargés de mission ESS du Conseil régional. On a de la chance d'en avoir quasi un par département en Nouvelle-Aquitaine. Nous, on connaît bien les interlocuteurs, si vous ne les avez pas, hein, donc n'hésitez pas à nous les demander. Voilà, moi, en ce qui me concerne, par exemple, sur le territoire de la Gironde, elle s'appelle Aurore Prévost, mais c'est Thierry Ravel, là, en parlait, par exemple, de la Dordogne. Enfin, voilà, ils sont vraiment, ils couvrent tout le territoire, ils maillent bien, et c'est eux qui seront vos interlocuteurs pour définir si ce que vous avez besoin comme financement, par exemple, après un DLA, peut rentrer. Mais c'est une petite aide très utile et qu'on aide pour toutes les régions. Là, on parle de la Nouvelle-Aquitaine, excusez-moi. C'est une ligne de financement spécifique du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc toute la région de Nouvelle-Aquitaine. Et moi, mon intervention se terminait parce qu'on sait qu'il y a des enjeux de taille critique. Et là, ces trois programmes-là, c'est des enjeux d'essaimage. On peut en avoir et on sait que sur le réemploi, il y a des besoins partout. Donc là, on est sur un niveau de développement encore supérieur. Mais par exemple, je pense aux compagnons bâtisseurs qui vont sur plusieurs territoires. Et il y a des programmes existants nationaux dédiés à l'essaimage. Il se trouve que l'ouverture de ces programmes, c'est plutôt sur le printemps de chaque année. Donc là, ils sont tous clôturés, mais je voulais quand même vous les présenter pour l'année prochaine. Je les cite et vous aurez les liens à chaque fois. Hein, donc peut-être que celui qui est le plus connu, le plus
Voilà, le plus connu, c'est le programme PINS, qui est développé en partenariat entre la VISE et la MACIF. Alors, je m'étais noté des acteurs qui étaient passés par là, les derniers qui ont été lauréats. Il y avait notamment les Bureaux du Cœur. Alors, en avant-première, il n'y en a pas encore dernièrement dédié au réemploi des matériaux du BTP, donc vous avez toute votre place dans ce programme. Les Bureaux du Cœur, nous, on les connaît au point commun. Les Bureaux du Cœur, c'est une association qui permet à des personnes à la rue de dormir dans des locaux professionnels. Et peu importe l'objet, c'était juste pour vous dire que c'est un programme qui est vraiment très, je sais pas combien d'années il a, mais à l'échelle nationale. Il y en a un autre qui s'appelle Scale Up, qui est plutôt à une logique de changement d'échelle. On n'est pas tout à fait sur l'essaimage. Si c'est des terminologies que vous ne connaissez pas ou que vous voyez pas la différence, n'hésitez pas. On reviendra dessus, mais là, si on va pas développer son projet ailleurs, plutôt on change d'échelle, on cherche à grossir, à passer un palier. Il est porté par l'ESSEC. Et le dernier petit poussé, c'est parce qu'il date de cette année, il s'appelle les Sentiers, il est porté par le KIF. Le KIF, si vous ne l'avez pas encore dans votre vision, c'est un collectif national d'incubateurs partout en France. Donc Atis, nous, on est membre du KIF, mais le KIF couvre toute la France. Pour vous en donner d'autres, parce qu'il semblerait qu'il y ait des gens d'autres régions, mais par exemple, il y a Première Brique en Midi-Pyrénées ou Rhône-Alpia en Auvergne-Rhône-Alpes ou les Écosolises dans les Pays de la Loire. Voilà, donc ça couvre tout le territoire. Et l'objectif du KIF, c'est d'accompagner à l'essaimage spécifiquement dans les territoires ruraux. Donc là, c'est un nouveau dispositif qui sera reconduit l'année prochaine. Voilà, c'était un tout petit focus rapide. Je rentre volontairement pas dans les détails sur des logiques d'essaimage et de changement d'échelle. C'est tout pour moi et après c'est focus IAE avec Théa, Mana. À toi, Mana. Merci pour le passage de flambeau, Colline. Donc, oui, alors moi, je suis là pour faire effectivement un petit focus sur l'insertion par l'activité économique. Alors, pourquoi? Parce que au-delà du fait que les structures d'insertion par l'activité économique soient représentées dans Cadres par INAE, il y a un nombre non négligeable de SIAE qui œuvrent dans le réemploi des matériaux du bâtiment. Et aussi parce que les acteurs de l'IAE le savent, on est un petit peu en période de vache maigre. Voilà, les robinets sont un petit peu coupés au niveau des financements, on ne peut plus trop créer de nouvelles activités, etc. Et donc, on voit des modèles de plus en plus, les mois avançant, les modèles économiques se fragilisent. Et donc, c'était important qu'on puisse vous communiquer ce qu'il existe en termes d'accompagnement et d'outils pour ne pas attendre la dernière minute et d'aller trop mal. Voilà, donc je vais vous présenter l'offre qu'il y a au sein d'INAE. Donc on est une équipe sur le développement économique de 4 personnes qui donc peut accompagner toutes les structures de l'IAE de la naissance de votre structure à la fermeture malheureusement ou au développement de l'activité. Donc là, vous avez les 3 chargées de mission par territoire, Adeline, Maëlle et Marie. Moi, je suis un peu sur une autre catégorie. Je suis plutôt sur les achats responsables et filières. Mais si on parle vraiment de modèle économique, gestion, des finances, structuration du modèle, etc., c'est vraiment les 3 collègues que je vous ai nommés. Et donc, je vais vous présenter quelques petits outils. Sachez que voilà, il va y avoir des outillages. On fait de la formation aussi, des rendez-vous INAE qui sont des points gratuits d'information. Et on a aussi tout un dispositif de soutien aux SIAE en difficulté. Du coup, on va aller voir sur la prochaine slide. Donc là, je vous partage 2 outils. Que vous pouvez avoir en contactant les collègues que je vous ai nommés ou en passant par moi, c'est des outils Excel qui vous permettent de faire pour l'auto-diagnostic flash. Ça vous permet de faire un point en fait rapide sur où est-ce que vous en êtes de votre situation financière, pardon. C'est normalement un document qui a été envoyé à toutes les dettes et normalement, si elles ont joué le jeu, elles ont dû vous l'envoyer parce que c'est un document qui peut vous servir en dialogue de gestion ou lors des copiles. Donc, assez pratique, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de voir un petit peu là où ça coince. Et puis, sur un petit peu... Dettes pour les hors IAE, c'est les services de l'État. Pardon, tout à fait. C'est eux qui conventionnent.
Et sur le Fineco, c'est un peu la même chose, sauf que là, on va vraiment plus loin, c'est de la comptabilité analytique. Et donc, vous avez un petit peu là tout ce qui est détaillé, c'est pour faire l'analyse des bilans, le compte de résultat, les budgets prévisionnels. C'est pas du tout mon sujet, mais encore une fois, mes collègues pourront vous accompagner là-dessus. Donc, ils peuvent vous aider à prendre en main l'outil. Et puis, on a mis aussi au point un dernier outil qui s'appelle positionnement filière, où là, c'est un petit peu moins technique. C'est simplement, pareil, une sorte de fichier Excel qui vous permet un petit peu d'évaluer. C'est souvent quand on veut créer une filière, qu'on veut créer une nouvelle activité, il y a tout un tas de questions par domaine à se poser et qui donc sont recensées dans cet Excel et ça vous permet de regarder si vous avez bien coché toutes les étapes et si vous avez bien évalué tout ce qu'il faut regarder quand on démarre une activité ou quand on se pose des questions sur le modèle économique d'une activité. Voilà pour les outils. Sachez que il y a aussi deux formations. La première, la gestion économique et financière de ma SIAE. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise justement avec la mise en place du modèle économique, le pilotage, les finances. Donc, ces deux formations, c'est entre 3 et 5 jours et je crois que c'est entre du présentiel et du distanciel. Et gérer ma SIAE par l'analyse des coûts. Donc, pardon, c'est la deuxième qui, là, est un peu plus poussée. Donc là, c'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux directions ou aux coordinateurs qui ont besoin d'aller plus loin dans l'analyse de leurs coûts, de leurs finances. Et puis, je vous ai mis aussi la question des marchés publics, puisqu'on sait que c'est un levier aujourd'hui pour développer notre activité. Donc là aussi, il y a une formation. Donc, vous verrez, les liens sont cliquables et vous avez directement les programmes. Donc là, répondre à un marché public, la prochaine formation se fait sur Bordeaux. Eh ben, cette semaine. Donc, à mon avis, c'est un peu court là pour vous inscrire, mais on reproduira certainement cette formation qu'on a fait déjà sur différents territoires. Vous avez aussi des rendez-vous INAE qui là sont gratuits. Donc, c'est des webinaires à chaque fois d'une heure, 1 heure et demie. Il y en a un qui est sur l'achat responsable. Donc, ça, c'est plutôt effectivement. On vous donne des clés pour mettre en avant votre activité, pour savoir vous vendre. Et c'est animé par Unader, qui est aussi une plateforme en fait, d'achat groupé et qui donc peut-être une potentielle vitrine pour vos activités. Et puis, en partenariat avec France Actif, il y a ce qu'ils appellent l'incontournable plan de trésorerie, qui pour moi est très flou. Mais si comme moi c'est très flou, je vous recommande d'y aller. Il faudra peut-être que je m'inscrive aussi. Mais voilà ce qu'on peut vous présenter. Et enfin, vous dire aussi sur la slide suivante, je crois que vous avez mis le parcours Propulse. C'est ça. Donc parcours Propulse, ça vous permet de faire vraiment le tour de votre SIAE. On part du projet d'insertion jusqu'au modèle économique, la gestion, le marketing, le pilotage associatif, etc. Et on a une journée spécifique vraiment modèle économique et finance. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis aussi le lien là et je vous ai mis les dates pour pouvoir vous inscrire sur ces sessions. C'est gratuit aussi. Vous avez le contact si vous avez besoin d'en savoir plus. Voilà pour moi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, avant de vous donner la main, peut-être vous dire que l'objet, alors les questions de précision, n'hésitez pas, et puis vous dire qu'aujourd'hui, on ne vous présente que des outils et des parcours généralistes. Nous, on croit aussi qu'en fonction de vos besoins, il y a des choses collectives qui pourraient se monter. Rosa le disait sur le DLA. Moi, j'avais ma collègue qui intervient dans le programme CAPAM qui me disait, en fonction de ce que la filière nous dit, un CAPAM dédié à la filière réemploi des matériaux du BTP en Nouvelle-Aquitaine pourrait très bien s'imaginer. Aujourd'hui, CAPAM, c'est généraliste. Si demain, on estime collectivement qu'il y a un besoin et que ce serait intéressant que vous soyez collectivement accompagnés dans ce cadre-là, quelque chose qui peut tout à fait se monter avec notre appui, voilà, on peut penser des choses comme ça. Aujourd'hui, on reste sur des éléments, des outils généralistes, mais si on sent que la filière en a besoin et que vous êtes un certain nombre à vouloir le mobiliser, ça peut très bien se penser. Hein.
Merci Colline pour les précisions. Alors avant de prendre des questions, on va laisser Rosa parler rapidement des aides qui sont plutôt orientées filières. Et je voulais aussi préciser que là, du coup, on a fait une présentation des dispositifs qui existaient plutôt pour les acteurs, donc les structures de l'ESS. Mais dans notre deuxième temps prévu sur la partie économique, on dédiera aussi une petite partie dédiée en fait aux maîtrises d'ouvrage. Voilà. Donc on ne vous oublie pas, s'il y a des maîtrises d'ouvrage de connecter, on aura aussi sur notre prochain temps d'échange une partie des outils qui peuvent être aidants, en tout cas pour améliorer l'économie durant le projet. Du coup, je laisse la main à Rosa pour la suite. Oui, merci. Oui, donc là, voyez, vous avez quand même un panorama d'aides et d'outils qui vont et vous aider à structurer en fait votre structure, votre projet ou développer. Après, on a quand même voulu vous parler concernant la filière de ce qui est en train de bouger en ce moment. C'est-à-dire qu'avec la filière REP, donc responsabilité élargie aux producteurs, avec les obligations légales qui sont mises en place, nous avons les éco-organismes. Donc, il y a quatre éco-organismes qui sont sur cette... Sur cette filière de réemploi des matériaux du bâtiment. Donc, on a Écominéraux, Valobat, Écomaison, Valdélia. Donc, deux catégories, les matériaux catégorie 1 et catégorie 2, ça, vous irez voir. Enfin, je pense que vous êtes assez familier aussi avec ça, l'inerte. Pourquoi on vous en parle? Parce que c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. Et par exemple, donc nous, on a assisté à l'ORDEC, qui est le rassemblement au niveau de la région concernant l'Observatoire des déchets. Et on a eu, par exemple, donc la présentation des Écominéraux et de Valobat, et ils nous disaient mettre en place des appels à projets. Alors, on sait très bien que voilà, fonctionner avec des appels à projets, avec des AMI, ça peut être risqué aussi, mais, et c'est beaucoup de temps, bien sûr, on le sait. Mais là, par exemple, sur le premier qui vient de sortir et qui est accessible à toutes les structures de l'ESS, c'est Écominéraux. Alors, à creuser un peu, mais ce qui est annoncé, c'est un financement sur 3 ans pour un maximum de 150 000 euros pour la structure. Donc, ça peut quand même permettre de l'amorçage, ça peut permettre de l'investissement. Donc, à suivre. Il est déjà en ligne, Écominéraux, donc on vous les donnera aussi sur le compte rendu du webinaire. Valobat également, apparemment, va le mettre en place, en tout cas, c'est ce qu'il a dit à l'ORDEC, ce qu'elle a dit à l'ORDEC, pardon, c'est une femme, une charge de mission. Ils sont en train de réfléchir au fonds de réemploi, puisque pour la filière PMCB, il n'y a pas d'obligation de rémunérer à la tonne, comme c'est le cas pour les mobiliers professionnels, comme c'est le cas pour d'autres filières qui sont le textile, etc. Là, ils sont en train d'y réfléchir. Donc, c'est quand même des choses à suivre, puisque c'est maintenant, ça se passe maintenant et ça va évoluer. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à saisir, même si voilà, on a besoin de travailler, hein, répondre à un appel à projet ou à un appel à manifestation d'intérêt, c'est du travail, mais voilà, pour un complément, un investissement, ça peut être. Voilà, on voulait vous en parler parce que c'est une piste aussi que vous pouvez creuser. On n'a pas parlé de dispositifs bien spécifiques, là, nous tous, parce que voilà, il faut aussi que vous reveniez vers nous et pour en savoir un peu plus. Mais on peut parler au niveau de la région d'Amply, on peut parler de divers dispositifs qui sont en place pour, par exemple, le premier emploi. Vous réfléchissez à employer quelqu'un pour votre premier emploi, eh bien voilà, Amply, la région peut vous aider. Des petites pistes comme ça qui peuvent venir compléter votre modèle économique. Voilà. Merci, Bruna.
Du coup, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des réactions sur tout ce qui vient d'être présenté et dit, n'hésitez pas surtout. Vous pouvez lever la main et ouvrir votre micro sans problème. Je ne sais pas si ça suscite réaction dans le chat, je n'ai pas l'impression. Je crois qu'on a été très clair, en fait, il n'y a pas de questions. Oui, c'est ça, ou alors c'est la post-digestion, je ne sais pas. Je m'épate. Bon, bah écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez toujours la possibilité, à la suite du webinaire, vous aurez les coordonnées des personnes qui se sont exprimées aujourd'hui pour leur structure, que sont la CRES, INAE, ATIS ou RENAître. Donc, vous pourrez les solliciter en direct si vous le souhaitez sur des questions spécifiques à votre structure. Voilà, sachez effectivement qu'on a présenté une partie des dispositifs possibles. Il en existe quand même beaucoup, donc il serait dommage de s'en priver et de passer à côté et de ne pas structurer votre entité comme il serait bon de le faire. C'était l'objectif en tout cas de ce premier temps. Maintenant, ce qu'on vous propose, donc il va falloir quand même vous réveiller un petit peu, c'est d'échanger sur la thématique économie du réemploi, mais dans le sens modèle économique de structure, pas au sens large, hein, et de pouvoir déterminer si parmi vous, il y a des problématiques qui sont présentes dans votre modèle aujourd'hui, et quelle que soit votre place hein, dans la chaîne, je répète, hein, que vous soyez maîtrise d'ouvrage. Que vous soyez maître d'œuvre, bureau d'études, acteur du réemploi, enfin, quelle que soit votre place dans la chaîne de l'acte de déconstruire ou de construire en intégrant du réemploi. Si du coup, vous avez des problématiques liées pour le coup plutôt, je dirais, au réemploi, n'hésitez pas, c'est le moment de nous en faire part et l'objectif serait de pouvoir peut-être dégager deux ou trois problématiques qui sembleraient intéressantes de pouvoir traiter dans un deuxième temps en modèle plutôt co-développement, c'est-à-dire en fonctionnant avec des sous-groupes qui viendraient réfléchir à la problématique, quel levier pourrait être activé, quelle action pourrait être mise en œuvre individuellement ou collectivement pour résoudre la problématique. Est-ce que Anaïs, tu enlèves le partage Oui, de... pardon. Non, mais c'est pour... Je peux. Ouais, comme ça, on va toutes les casser. Et est-ce qu'il y en a au moins un ou une d'entre vous qui a envie de débuter, peut-être ne serait-ce que par une réaction, parce que je reste persuadée que parmi vous, il y en a qui ont pris la peine de répondre à l'enquête dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, si elles ont pris ce temps-là, c'est qu'elles avaient envie de s'exprimer sur leur vision du modèle économique, de leur structure, ou même au sens large de la filière du réemploi en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, d'ailleurs, parce qu'on a la chance d'avoir des personnes qui sont hors de notre région. N'hésitez pas à prendre la parole. Ça y est, Alors, on a un bonjour premier Léopold. candidat. C'est bien ça. Salut Léopold. Bonjour Léopold, Olivia et Klaus. Quand on parle réemploi, alors moi je suis un peu novice, mais nous, notre projet qu'on essaie de monter, c'est du démantèlement. Et donc, on va essayer de faire du réemploi, mais ce n'est pas le modèle principal. Donc, quelque part, on doit commencer à faire de la déconstruction du démantèlement pour essayer aussi d'amorcer du réemploi sur le démantèlement de menuiserie. Voilà, donc moi, ma réaction, c'est déjà, est-ce que je suis à côté de la plaque parce que des projets purement réemploi, est-ce qu'il y en a beaucoup? Mais moi, pour le cas des menuiseries, j'ai besoin de d'abord démonter une unité de démantèlement pour actionner du réemploi derrière. Et moi, ma difficulté, c'est qu'on est sur une zone peu structurée au niveau de la filière et que j'ai du mal à avoir de la réponse. J'essaie d'avancer, mais moi, je dois monter des plans de financement, je dois essayer de trouver des partenaires parmi les éco-organismes. Pour l'instant, ce n'est pas facile. Donc voilà, ma difficulté, elle est là, c'est le lien avec les éco-organismes et puis voir comment faire bouger. Et sinon,
Est-ce qu'on doit y aller, finalement, contacter toutes les personnes qui génèrent des menuiseries et faire tout un par un, aller collecter. Voilà, c'est ça ma difficulté aujourd'hui, ce à quoi je me heurte. Vous êtes sur quel territoire? Pour. Ah, c'est ton fief, Oui, mais Anaïs. on se connaît bien avec Léopold. On s'est vu en début de semaine, effectivement. Oui, c'est ben, Léopold, il est du coup, c'est une entreprise à but d'emploi qui est basée à Pau, il ne l'a pas dit, qui est sur le programme Territoire zéro chômeur de longue durée, donc d'un modèle aussi un peu particulier. Hein. On n'a pas traité aujourd'hui ce sujet-là, mais enfin, c'est effectivement un modèle un peu particulier. Et sur l'aspect démantèlement de menuiserie, je ne sais pas si on a d'autres acteurs qui ont des activités de démantèlement de menuiserie aujourd'hui. Ah ben, je vois qu'il y a Jérôme Rougier qui est là, mais qui, du coup, lui, c'est pas lui qui démantèle, mais il récupère une partie des menuiseries dans ses projets. J'ai pas vu tous les Ouais, participants. bonjour. En Bonjour. effet, alors, Bonjour. on démantèle aussi, du coup, on a l'activité avec l'entreprise d'insertion de dépôt sélectif, en fait. Et dans notre modèle économique à nous, on a en fait un triptyque, un trio ressourcerie, entreprise et atelier bois, quoi. Donc, l'entreprise va aller faire une intervention rémunérée, enfin, voilà, payante, hein, de démantèlement. La ressourcerie, elle va collecter la matière et va la dispatcher soit sur la revente directe, soit sur du passage par l'atelier pour la réparation ou du désossage et de la récupération de matière, quoi. Oui, Et quand on pardon. parle de modèle éco, est-ce que ça passe par un éco-organisme ou est-ce que vous traitez en direct avec les personnes qui génèrent Alors, les fenêtres? il y a beaucoup de travaux en direct, en fait. Hein, les éco-organismes ne sont pas encore trop appelés à nous, notamment pour la dépose. Ça passe par du marché public. Il y a des lots, maintenant, on arrive à avoir des lots spécifiques pour le démantelage. Et puis après, ben, c'est du réseau, quoi, du réseau entre pros aussi, de réseau de collecteurs. Voilà, on a un voisin qui fait de la collecte de menuiserie sur tout l'ancien Limousin. Bon, ben, on arrive à attraper chez eux toute la partie bois pour pouvoir les retravailler en atelier après, quoi. On a avant travaillé différents réseaux pour essayer de capter au maximum, quoi. Oui, parce que Jérôme, ils sont en partenariat aussi avec la boîte à papier qui fait du coup là, du démantèlement de menuiserie à une échelle un peu plus grosse. Donc, Ouais, effectivement, il y a peut-être moyen. Je pense disons. que sur le sujet des démantèlements de menuiserie, il y a quand même plusieurs acteurs en Nouvelle-Aquitaine qui sont soit en activité, soit en volonté de créer cette activité. Peut-être qu'on pourrait y réfléchir à avoir un petit collectif pour pouvoir permettre peut-être aux uns et aux autres d'échanger entre pairs et essayer de peut-être de s'entraider sur des thématiques qui sont vraiment liées à cette activité-là et notamment le lien avec les éco-organismes qui ne semblent pas si évidents que ça, effectivement, à obtenir. Alicia, tu voulais. Oui, bonjour. C'était pour compléter sur cette partie. Moi, Est-ce que tu j'avais veux bien te présenter, Alicia? Pardon, Comme Alice Hélé de ça. la CERC Nouvelle-Aquitaine, la cellule économique régionale de la construction. On a un peu travaillé aussi sur les plateformes de réemploi récemment. Sur la partie démantèlement, de ce que j'ai compris des éco-organismes, il y a quand même une partie où ils peuvent avoir, notamment sur les déchetteries publiques, la gestion des bennes d'huisserie de manière opérationnelle. C'est-à-dire que c'est eux qui disent voilà, ce flux, c'est nous qui le gérons et on va l'envoyer à des partenaires. Et si j'ai bien compris, j'ai cru voir quelqu'un du SMD3. Cette info me vient un peu de là, donc si vous voulez compléter. Et qu'en fait, ils auraient des partenariats avec justement des centres de démantèlement. Donc je pense que ça vaut le coup justement de les contacter pour montrer votre présence sur cette activité, parce que justement, ça peut permettre d'éviter d'aller super loin pour amener les bennes d'huisserie qui proviennent de déchetteries publiques notamment. Peut-être ajouter du coup pour compléter un petit peu le témoignage de Jérôme Rougier d'Aléas. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Jérôme, mais j'ai l'impression quand même que ce qui fait aussi
comment dire, le maintien d'un modèle et l'équilibre d'un modèle. En tout cas, dans l'IAE, c'est vraiment la diversification aussi des activités. Je ne sais pas si Jérôme, tu veux en dire un mot là-dessus, mais voilà, pas te mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est vrai que il peut y avoir différents niveaux. Non, ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça, nous, on a l'impression, quand on voit notre activité, qu'il y a une espèce de grosse boîte à outils avec plein de. Un gros couteau suisse avec plein de lames, qu'on se disperse un petit peu. Et en fait, c'est que des activités qui sont vraiment complémentaires. Et je trouve ça hyper sécurisant parce qu'en fonction de l'avancée de chaque outil, en fait, on va pouvoir faire glisser un curseur d'un côté ou de l'autre. Enfin, on se met, je trouve, beaucoup moins en danger, en tout cas, pour les années à venir. Ça permet de rebondir beaucoup plus facilement aux demandes qui sont pour le moment hyper diversifiées. Enfin, le secteur n'est pas encore assez spécialisé, à mon regard, pour être sur une seule thématique, quoi. Donc, nous, on joue de ça, on essaie de complémentariser toutes nos activités et puis de les faire grossir les unes après les autres, voilà, comme ça. Je ne sais pas que dire de plus. Merci, c'était très bien. Et puis, je voulais souligner aussi que du coup, Alicia a pris la parole et elle a fait une très belle étude sur ses plateformes et un petit livret qui reprend les structures ESS de Nouvelle-Aquitaine, qui ont bien voulu répondre, bien sûr, puisque c'est volontaire. Mais je vous engage à aller le voir et aller regarder les structures autour de chez vous qui sont déjà sur cette filière aussi. On remettra tous les éléments dans le compte rendu. Bonne note, je vais nous remettre le lien vers l'étude de la CERC et leur annuaire sur les plateformes physiques de réemploi en Nouvelle-Aquitaine. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une thématique là qui pourrait peut-être ressortir au-delà de la seule activité de démantèlement de menuiserie, c'est peut-être comment on arrive à diversifier ces activités et peut-être aussi comment on arrive à être en lien avec les acteurs. Avec les acteurs clés qui peuvent faire avancer sa structure. Donc là, par exemple, les éco-organismes pourraient peut-être avoir une thématique. Parce que je vous rappelle le but, alors on est là pour échanger, je trouve ça bien si spontanément certains ont envie de partager un peu de leur sujet du quotidien. Le but, c'est de dégager quelques thématiques qu'on puisse retravailler dans un second temps en sous-groupe, en mode un peu co-développement. Oui, je crois qu'on a une nouvelle réaction, Julien, de la matière. On vous écoute. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Bonjour tout le monde. Du coup, alors nous, la matière, on est un tiers-lieu dédié aux enjeux de la ressource basé à La Rochelle. On va fêter nos 10 ans cette année. Donc, on n'est pas SIAE. On a 14 salariés dans la structure. Donc, on a plein d'activités différentes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Avec le cœur du réacteur, c'est un magasin des matières. Qui est achalandé à la fois par des matériaux issus de rebuts de production industrielle, donc plutôt issus d'écologie industrielle et territoriale. Alors, on est adhérent Renaître, on a bossé aussi avec INAE et pas mal d'acteurs autour de la table sur plein de sujets différents de coopération territoriale. Bref, et pour finir sur notre activité, donc on récupère des rebuts de production industrielle et forcément pas mal de choses aussi en lien avec le bâtiment. Et depuis pas mal d'années, forcément, il faut écrire les pages d'un truc qui n'existe pas. Donc, à la fois sur tous les métiers inhérents à ces activités-là, donc ça va des diagnostics ressources en passant par la déconstruction sélective et en passant par la logistique réversible et le retour ou le reconditionnement et enfin la réception ici au magasin, et la remise en place, etc. Et à quel prix, et comment on le vend, et les enjeux assurantiels. Enfin, faut maîtriser un petit peu toute la chaîne de valeur, finalement. Donc, pour rejoindre l'enjeu de couteau suisse évoqué juste avant, je pense que l'enjeu de nos structures, alors c'est pas toujours évident de faire plusieurs choses à la fois, choisir un peu ses combats. Nous, on n'a pas choisi la déconstruction sélective parce que... le modèle économique est un peu fragile, donc on s'est plutôt lié à des acteurs démolisseurs qui sont en train vraiment d'aller vers ça et qui parfois se rattachent à des acteurs de l'insertion ou pas forcément.
Donc on ne maîtrise pas toute la chaîne de valeur, mais en fonction de l'écosystème qu'il y a sur vos territoires, c'est sûr qu'il faut essayer de faire avec ceux qui font. Parce que des gens qui disent Yaka Faucon, il y en a plein, et des gens qui mettent les mains dans le cambouis, il y en a peu. Donc il y a beaucoup de gens qui vont faire des diagnostics parce que c'est facile, mais des gens qui vont vraiment faire le curage et ensuite se taper toute la logistique qui va bien. Enfin, nous, on l'a vécu il y a plusieurs années de ça, hein, les premiers chantiers de déconstruction sélective en quartier QPV. Il y a déjà la petite news sur LinkedIn des bailleurs sociaux avec les menuiseries en bas d'immeubles, mais en vrai, on n'a pas forcément été payé pour ça et c'est toujours un peu l'envers du décor. Et nous, on va jusqu'à l'upcycling et du coup, la mise en valeur ajoutée des objets. Juste ce que je voulais évoquer, j'ai pas trop vu, j'ai une petite question dans tous les accompagnements. Alors, on connaît Atis, on connaît tout le monde là dans les accompagnements. Atis, Inaé, tout le monde. Juste l'enjeu d'échange entre pairs, c'est vrai que nous, on est très sollicité par ça pour des visites immersives de porteurs de projets ou de. Alors, on est tiers-lieux en plus, donc on est des tiers-lieux hybrides qui viennent ici en séminaire où on a des visites immersives. Alors, on essaye parfois de le facturer, d'essayer de faire rentrer ça dans des boucles, mais souvent ça prend énormément de temps. On a bossé avec Renette sur ça aussi et avec la coopérative tiers-lieux sur les enjeux de transfert de savoir-faire à la région Nouvelle-Aquitaine. Je sais pas s'il y a des gens de la région, hein, j'ai pas. Mais ça, c'est vraiment un vrai sujet, je trouve que. Ça fait gagner vachement de temps aux porteurs de projets, à tout le monde de visiter de manière transparente et de mettre le doigt aussi sur ce qui est difficile, là où il y a de la prise de risque. Et ça, je trouve que c'est une vraie clé, quoi, je trouve. Voilà, et je ne l'ai pas Juste, forcément vu dans le. excuse-moi, Julien, pour répondre à ça, parce que Ouais. Colline, il n'y a pas quelque chose justement à la région qui existe, qui finance les temps de transfert de compétences, Papès, oui, le fameux Papès. le fameux PAPES, je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça permet de. C'est ce dont a bénéficié Julien, je pense. C'est ce Ouais, que c'est ça. tu Je disais. crois que ça. Alors, je savais plus D'accord. comment ça Alors. s'appelait, si c'était TSF. L'avis l'appelait comme ça il y a très Ouais, longtemps. exactement. Ça avait disparu. On avait remis ça un peu en route avec la COP tiers-lieux. Et là, effectivement, c'est un nom à la région. Donc là, tu as donné le bon nom, je crois. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, le Ouais. TSF, ça s'appelle Transfert de savoir-faire, ça a été mis en œuvre et pensé par l'Avise à l'échelle nationale et c'est encore mobilisable de temps en temps. L'idée du dispositif, c'est un acteur, on va dire, sachant ou expérimenté sur un sujet, vient transmettre à un acteur qui commence à se questionner sur ce sujet. Donc ça peut typiquement être. Moi, je pense, là, il y a deux épiceries sociales, une de Niort et celle de Bordeaux. Celle de Bordeaux a bénéficié d'un TSF auprès de celle de Niort pour la mise en place de sa tarification, par exemple. Et l'idée, ce n'est pas faire appel à un formateur, c'est de se voir. Souvent, l'acteur qui veut bénéficier du TSF va chez l'acteur d'abord qui a développé ça. Et après, l'acteur sachant vient chez l'acteur qui en a besoin. Peut-être que je ne vous dis pas les choses dans le bon ordre. Un TSF, c'est entre 2 et 4 jours à peu près. Et c'est indemnisé. Ce n'est pas rémunéré, c'est indemnisé. Et en fait, ce TSF qui avait été pensé par la Vise a été copié, entre guillemets, par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et est mobilisable actuellement. C'est normalement assez facilement mobilisable. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est indemnisé 500 euros par jour pour l'acteur. Ressources, l'acteur sachant. Je crois que Voilà. c'est 2 à 3 jours max, c'est ça, ou C'est deux 4 jours, jours un max truc en comme ça. Nouvelle-Aquitaine, Ouais, c'est entre ça. 1 et 4. En tout Nous, cas, les je trouve que Suisses. c'est pertinent comme approche, juste pour ceux qui se posent des questions là. Il faut vraiment aller visiter les acteurs, faut voir du pays, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Et Si tu as je peux me raison. permettre, on vient de réaliser justement ce fameux PAPES avec la plasticerie à Bordeaux, là. C'était une super expérience. Je suis allé 2 jours là-bas, ils sont venus 2 jours ici, d'un côté pour voir comment se passait ce fameux recyclage de plastique, 2 jours chez nous pour voir comment on pouvait essayer de l'usiner, enfin, améliorer les qualités d'usinage et tout ça, c'était vraiment très chouette. Tout le monde a appris et c'est vrai que, mais mine de rien, la rémunération nous donne l'impression de moins perdre notre temps quand même. Ouais, enfin, ça compense pas mal de choses, c'est pas mal. Et Enfin, juste. pour nous, très bonne expérience, quoi.
Et juste du coup, pour compléter l'expérience de Julien et Jérôme, nous, dans le réseau Renaître, on a aussi une valorisation pour les accompagnants, c'est-à-dire comme Aléas qui peut recevoir une autre structure pour lui montrer ses compétences, comme la matière qu'il va pouvoir accueillir. Nous, on valorise aussi le sachant. C'est-à-dire que la personne qui va accueillir pour apprendre, alors je crois qu'on n'est pas à 500 € nous comme la région, mais je vous retrouverai la somme. Voilà, en tout cas nos adhérents aussi à Renaître, s'ils le peuvent, parce que bien sûr il y a des plannings, il y a des choses qui sont, mais en tout cas ils sont aussi en capacité et de recevoir et d'apprendre et ensuite de valoriser ce temps-là qu'ils ont passé à échanger avec les pairs. Juste du coup, t'es galérant qui a levé la main depuis un petit moment, peut-être. Allô, bonjour. On vous entend. Alors moi, je ne suis pas un acteur du réemploi. Je travaille à la communauté d'agglomération de Pau. Donc c'est plutôt en tant que commanditaire, je dirais, ou partenaire que je vais intervenir. Je fais souvent le parallèle entre le réemploi et l'émergence sur notre territoire, mais ailleurs aussi en région Nouvelle-Aquitaine, avec le marché des granulats recyclés. C'est une pratique qui s'est développée, en tout cas sur l'agglo de Pau, depuis 15 ans. Ce sont plutôt des entreprises de travaux publics qui sont emparées de ce sujet, qui gèrent les déchets pour les collectivités dans les travaux de démolition, de réfection d'espaces publics, et qui se sont mis à développer des centres de recyclage assez performants. Au début, on testait ce type de pratique avec les collectivités. Donc, je pense que chacun ne savait pas trop où on allait. Et puis, au bout d'un moment, les structures se sont professionnalisées. Elles ont normé les produits. Elles ont certifié les produits avec des analyses en laboratoire. Et aujourd'hui, le granulat recyclé est un produit qui est proposé par les entreprises de travaux publics comme des granulats naturels. Elles ont un prix et elles sont complètement intégrées dans l'offre de ces structures. Et ma question, c'est de savoir si dans le domaine du réemploi aujourd'hui, comment on fixe le prix des choses? Comment on fixe le prix des matériaux issus du réemploi? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'on est capable de certifier le prix? Et comment les structures aussi font reconnaître leurs compétences de déconstruction et de remise en œuvre des produits à leur juste valeur? Voilà. Donc, le modèle économique, pour moi, c'est d'abord, il me semble, cette question-là qu'il faut se poser. Et voilà, ça m'intéresserait de savoir comment aujourd'hui vous questionnez là-dessus. Merci Thierry. Je connais bien Thierry aussi. Ça va Thierry? Oui, c'est une très bonne question. Et je pense que ça peut être un élément peut-être de partage de ça aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a différentes structures effectivement qui valorisent ou pas. D'ailleurs, par moment, je crois que c'était Julien tout à l'heure qui parlait de ça. Leur travail, aussi bien sur l'acte de dépose, que ça soit sur la collecte, que ça soit sur le reconditionnement. Et du coup, aussi, comment on fixe un prix d'un matériau de réemploi? Alors, on sait qu'il voilà, des pourcentages qui sont appliqués. Est-ce que tout le monde pratique les mêmes pourcentages? Enfin, et c'est un sujet, effectivement, qui est souvent questionné sur comment on arrive à anticiper aussi du côté maîtrise d'œuvre quand ils projettent d'intégrer des matériaux de réemploi, comment on arrive à anticiper le coût des matériaux de réemploi versus un matériau neuf en phase estimation de projet. Donc, il y a effectivement un questionnement qui pourrait être au moins collectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers une standardisation des prix et des pratiques, mais effectivement, peut-être c'est un sujet qui pourrait être intéressant de traiter. Je ne sais pas si certaines structures ont envie de réagir à ça. Peut-être Charlie, vu qu'il voulait prendre la main, il va peut-être pouvoir faire la transition aussi avec ce sujet-là. Ouais, bah, je peux apporter quelques éléments de réponse par rapport à notre pratique. Donc Charlie, compagnon bâtisseur, pour le coup, je coordonne la plateforme Solibat à Saint-Martin-de-Seignanx dans les Landes et on en a une autre à Mérignac. Nous, on fonctionne en chantier d'insertion avec des activités bâtiments classiques d'une part, c'est-à-dire qu'on fait des chantiers de réhabilitation et de travaux de seconde œuvre, dans lesquels on essaye d'intégrer un maximum de matériaux de réemploi.
Et à côté de ça, on gère on gère le volet vraiment plateforme. Donc, collecte, remise, quoi, collecte, conditionnement, remise en circulation. Par rapport à la question de Thierry, je trouve que c'est une très bonne question. Je trouve que ça dépend beaucoup des politiques de structure, en fait. Et pour moi, la question du prix et de ce qu'on développe comme type d'activité, je le vois vraiment comme une question stratégique et politique quelque part, au sens où, par exemple, chez les compagnons bâtisseurs, on est dans une politique d'essayer de revendre des matériaux à coûts raisonnables qui peuvent permettre, y compris à des publics modestes et très modestes, de les acheter. Je pense que c'est la philosophie que partagent beaucoup de structures d'insertion qui, historiquement, travaillent dans le secteur du réemploi. Je pense à toutes les ressourceries, recycleries, on les appelle comme on veut, qui ont ces pratiques depuis très longtemps. À l'inverse, il y a des modèles plus robustes économiquement qui se développent sur la massification de certains gisements. C'est le modèle, par exemple, de Cycle Up qui fait de la massification sur des équipements sanitaires ou sur du chemin de câble ou sur du radiateur qui font vraiment de la massification sur des équipements spécifiques. Du coup, ils seront à peu près au prix, ce qui est revendu, ils sont à peu près au prix du neuf. Par contre, ils ont des capacités de production qui sont énormes. Et aujourd'hui, il y a des unités qui n'existent qu'en région parisienne et ils s'alimentent partout en France. Donc on n'est plus du tout dans les modèles d'économie sociale et solidaire très territoriale. On est sur de l'économie circulaire à l'échelle nationale qui donne des capacités de remise en circulation énormes. Quoi, pour l'illustrer, Cycle Up, ils ont passé un contrat avec Cdéo pour les alimenter en équipement sanitaire de réemploi. Donc derrière, avec des engagements de production qui sont extrêmement conséquents. C'est super intéressant en matière de structuration de la filière. Maintenant, c'est pour ça que je disais sur ces questions-là, c'est des enjeux stratégiques et politiques. Ils s'adressent pas au même public et pas dans les mêmes gammes de prix. Concrètement, là, en matière de remise en état, ils font la même chose que ce qu'on fait nous, sauf que c'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un WC, et ben ils le démantèlent complètement. Ils enlèvent les joints, ils le nettoient. En gros, on fait exactement la même chose. C'est juste que nous, on n'a pas aujourd'hui financièrement les moyens d'engager de quoi qualifier cette action, mettre une garantie derrière, alors que concrètement, on fait la même chose. Voilà. C'est pas le même modèle, quoi. Et oui, ce que je voulais rajouter par rapport à la question de ces modèles, c'est qu'en faisant ça, ils ne touchent que à certains gisements. Nous, pour le coup, on a commencé à faire de la collecte sur des zones de réemploi en déchetterie. On ne prend pas tout, mais on essaye de prendre le maximum de ce qu'on peut prendre. En fait, le risque en développant uniquement de la monofilière de ce type-là, c'est de récupérer uniquement les matériaux les plus intéressants. Par contre, de laisser de côté tout ce qui est quand même intéressant, mais moins et un petit peu moins rentable économiquement et en tout cas est moins massifiable. Ça, c'était une aparté. Bon, et du coup, là, par rapport à ce que, juste pour continuer sur la question de Thierry et le parallèle qui a été fait avec la filière granulat, moi j'ai un peu de mal avec le parallèle en question parce que en l'occurrence, il s'agit d'une filière industrielle de recyclage. Avec un ou deux ou trois produits qui vont être normés sur une plateforme de matériaux de réemploi, des produits, on en a des dizaines en fait. Donc la difficulté, c'est que même si on fait du reconditionnement, de la requalification, etc., des process, il faudrait qu'on en ait un par produit. Donc en ça, c'est pas comparable. C'est-à-dire que quand je fais le parallèle là avec les monofilières que je décrivais. C'est que quand on gère un produit, effectivement, on met en place un process, on fait du taf à la chaîne. Quand je dis ça, c'est pas, voilà, c'est efficace, hein. Mais du coup, on est en capacité de justifier, de décrire, de machin, de trucs. Nous, au prix où on vend les matériaux, ben, en fait, on est, au prix où on vend les matériaux, on n'est pas en capacité
de justifier l'ensemble du process, quoi. Même si au final le boulot il est fait, et par contre en fin de chaîne, l'entreprise ou l'artisan qui pose des matériaux, ou le particulier qui par ailleurs réalise des travaux. Je rappelle par là que le dernier rapport de l'ADEME sur l'autoréhabilitation, il y a un tiers des travaux, des gestes de rénovation énergétique en France qui sont réalisés en autoréalisation par des particuliers. Donc ça représente quand même on va dire des enjeux, et on va dire un achat, quoi. Il n'y a qu'à regarder chez les Leroy Merlin, chez les grandes surfaces de bricolage, en fait, la fréquentation. Je pense que ça montre aussi le potentiel du marché du particulier sans nécessairement s'adresser à de l'entreprise, même si c'est également un enjeu. Et donc en fin de chaîne, si on a des matériaux qui sont remis en état correctement, même si c'est pas aujourd'hui garanti, celui qui prend les responsabilités, c'est l'entreprise qui le pose. Et moi, c'est ce que je répète. Les artisans qualifiés en sont convaincus, en fait, et il y a des artisans qui ont déjà ces pratiques depuis des années sans forcément l'annoncer sur tous les toits. Mais l'enjeu, quand on parle de réemploi, c'est aussi de remettre un peu la compétence bâtiment au centre, et d'arrêter de penser qu'on a affaire à des poseurs, en fait. Et ça, c'est ce qui se passe dans le bâtiment depuis des années. C'est-à-dire qu'on a mis de côté la qualification, on a essayé de tout industrialiser et de faire uniquement appel à des poseurs. Alors qu'en fait, un bon artisan, un bon professionnel du bâtiment, il prend un matériau, il est en capacité de le qualifier et de savoir s'il est apte à l'usage. Bon. Ça, c'était petit aparté. Nous, en ce qui nous concerne vis-à-vis de nos enjeux, c'est la massification de la collecte, de ce que j'identifie, dans le sens où là, aujourd'hui, dans les Landes, par exemple, pour l'illustrer, on a mis en place une zone de réemploi en partenariat avec le SICTOM 40, donc Côte-Sud Landes. Ça marche bien, c'est un conteneur qu'on a aménagé, donc il y a des particuliers et des professionnels, puisque dans les Landes, en fait, ces déchetteries gérées par le SICTOM sont ouvertes aux particuliers et aux professionnels qui déposent leurs matériaux. Nous, on fait une collecte par semaine. Du coup, je trouve que c'est plutôt intéressant comme fonctionnement. Là, le SICTOM, ils ont signé avec l'OCAB, donc l'organisme coordinateur de la REP PMCB. Et ils se sont engagés sur un maillage territorial où ils mettent leurs 24 déchetteries en point de maillage. En point de maillage, ça veut dire que sur chacune des déchetteries, ils s'engagent à horizon 2030, je crois, ou 35, d'avoir des zones de réemploi. À contrario des points de reprise de la REP PMCB, où sur un point de reprise, on a l'obligation de reprendre uniquement un certain flux. Donc là, nous, la question, et moi, l'enjeu partenarial avec le SICTOM, et nous, l'enjeu de monter en charge, c'est comment on fait à un moment donné pour avoir les moyens et générer un modèle éco, où on peut foutre un conteneur dans chacun de leurs déchetteries et collecter 24 déchetteries, à raison d'une collecte par semaine. Et sur notre territoire, vu le rayon d'intervention de la plateforme Solibat 40, en l'occurrence, c'est cohérent territorialement, c'est cohérent par rapport au périmètre d'intervention. Pour moi, ça illustre bien, en tout cas, l'enjeu de monter en charge de la collecte, parce que sur les éco-organismes, petit aparté là-dessus, effectivement, il y a le dernier appel à projet d'éco minéraux qui est sorti, et pour le coup, c'est la première piste que je vois d'intéressante. C'est une piste qui pourrait nous permettre de monter en charge sur la collecte, d'avoir du fonctionnement du financement de ce type-là. Parce que à côté de ça, là, Valdelia, ils ont sorti les conventions acteurs du réemploi. On serait financé, non pas, ça on le savait depuis un moment, mais on sera pas financé à la collecte, mais à la revente, à la sortie, à la remise en circulation de matériaux, à hauteur de 5 € la tonne pour de l'inerte, et de 45 € la tonne pour tout le reste. Donc autant dire que c'est pas ces financements-là qui vont faire tourner un modèle économique, parce qu'on faisait des parallèles tout à l'heure avec les filières DEA, par exemple, où les financements ils sont plutôt à 200 balles la tonne. Bon, concrètement,
Et en l'occurrence, vendre des robinets et des interrupteurs, c'est un peu plus compliqué que vendre du mobilier pro, et on est sur des choses qui pèsent pas grand-chose en fait, et ce qui pèse pas grand-chose dans le bâtiment, c'est ce qui aujourd'hui est en fuite. Bon, bref. Et deuxième, donc ça pour moi, c'est un enjeu majeur auquel on est confronté aujourd'hui, monter en charge pour pouvoir faire de la collecte et donc potentiellement mutualisation de moyens de collecte, voire de personnel pour faire de la collecte territorialement. Que ce soit avec des structures de réemploi de matériaux du bâtiment ou que ce soit avec des structures que recyclerie généraliste, quoi, peu importe. Le deuxième enjeu, c'est la communication et les outils numériques, mais ça, c'est un sujet qui est dans les cartons du collectif Cadres, et du coup, j'en parlerai pas plus, mais nous clairement, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience, de pouvoir avancer sur ce sujet outils numériques, en gros plateforme qui donne de la visibilité globalement à l'offre de réemploi sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour ma part, et je dirais, pour terminer, s'il y a d'autres structures du réemploi qui souhaitent aller sur un accompagnement type KPAM, collectif ou quoi, quelle que soit la forme d'accompagnement, ben nous on est partant. Voilà. Merci Merci Charlie. Charlie. Il nous Non, reste 7 minutes. juste, je vais prendre une petite minute peut-être Ah, ben il nous en restera plus que 6. pour compléter ce que disait Charlie. Pour vous donner un exemple, en fait, que nous menons en Vienne, à Poitiers, donc Eiffage, pour ne pas le citer, nous a contactés. Et ça, c'est la force des réseaux, c'est la force de nous tous ensemble, en fait, hein. C'est quand on coopère tous les uns avec les autres, on arrive à fournir des solutions à des grosses entreprises qui, au départ, ne se sentaient peut-être pas concernées pour le réemploi. Donc, nous, ils nous ont demandé un certain nombre de choses. Là, je m'adresse aussi à Thierry. C'est clair qu'une structure du réemploi n'avait pas toute la quantité à lui fournir. Mais par contre, en mettant autour de la table, en coordonnant toutes les structures qu'il y avait en Vienne, eh bien, on est arrivé à lui donner 95% de ce qu'il demandait. Il y a un petit pourcentage qu'on n'arrive pas, mais on cherche encore. On n'est pas. Mais voyez, les coopérations entre voilà les structures du réemploi, les AMO. Je pense que quand on veut trouver des solutions et plutôt locales, là je rejoins plutôt Charlie du coup, vraiment le plus local possible. Et ensuite en agrandissant, nous on a d'abord cherché à Poitiers, ensuite on a ouvert sur la Vienne et ainsi de suite. Donc voilà, on trouve à donner ces solutions quand on nous interroge. Merci Rosa. Du coup, alors, comme il nous reste du coup 5 minutes, s'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose, ben, c'est le moment ou jamais. Ce que je propose, moi, s'il y en a qui réfléchissent, là, qui ont envie de partager quelque chose qui est brûlant avant la clôture, c'est que du coup, nous, on débriefera le collectif Cadres de tout ce qui s'est dit là sur la dernière grosse demi-heure pour essayer de tirer quelques sujets qu'on pourrait travailler sur le deuxième temps qui sera prévu très prochainement. N'hésitez pas aussi par mail à me transmettre si vous avez des idées post-webinaire qui ne sont pas venues là à chaud mais qui viennent à froid. Ben, n'hésitez pas quand même à faire remonter des informations par mail. On les prendra en compte et on essaiera de tirer, je dirais peut-être 3 thématiques qu'on essaiera de travailler en sous-groupe dans un deuxième temps distanciel. Voilà, ben, écoutez, il vous reste 2 minutes s'il y a quelqu'un qui a envie de repartager quelque chose. Et sinon, ben, on clôturera ce moment de webinaire sur les modèles éco. La commande publique. Un sujet Ça marche, public. Antonia. Sur la commande publique, est-ce que vous voulez prendre la parole, Antonia? Ou on lit juste gros sujet pour vous? Bonjour, bonjour à tous. Oui, en fait, moi je travaille à l'agence d'urbanisme des Pyrénées-Atlantiques. Donc on est en assistance à maîtrise d'ouvrage et bon, je participe aussi beaucoup au projet de Hydre, Pachoma, etc. Donc évidemment, on travaille sur la planification du territoire, sur les plans locaux d'urbanisme et les schémas de cohérence territoriaux. Ça peut paraître un petit peu décalé, mais pour autant, on se rend compte que dans ces documents-là, il n'y a pas non seulement de prise en considération
de l'installation de nouvelles structures. Voilà, donc cette question des réseaux, mise en place des réseaux, elle est très peu évoquée, prise en considération. Mais par ailleurs, on a aussi un œil sur ben, voilà, comment est-ce que nos collectivités, finalement, prennent en considération ces sujets-là. Et on voit qu'ils sont très, très déconnectés. Ils y voient bien que, pour ceux qui savent, que finalement, tous les territoires ne sont pas concernés par ce que je dis. Certains sont plus en avance. Je pense à Thierry Galleyrand, qui représente donc l'Aglo-Paloise. Hein, mais pour autant, ces collectivités ont du mal à passer le pas, je trouve, dans les marchés. Et ils se demandent souvent par quoi commencer, c'est compliqué, etc., etc. Donc, moi, j'étais fortement intéressée par cette question du transfert de savoir-faire. C'est vrai qu'on est en train de renvoyer certaines collectivités vers d'autres collectivités qui ont déjà fait, et je pense que c'est une piste de travail hyper importante. Voilà. Merci, Antonia. Merci, Antonia. Mais on ne manquera pas, je pense, sur le deuxième temps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir un petit focus quand même sur la partie maîtrise d'ouvrage qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Mais on le fera en introduction du prochain temps. Et du coup, il pourra, j'espère que tu y participeras, tu viendras réagir de nouveau sur peut-être des transferts de savoir-faire. C'est que on n'avait pas pensé, on passe souvent au transfert de savoir-faire entre acteurs. Et un peu moins entre maîtrise d'ouvrage, même s'ils le font souvent dans le cadre de 3R. Peut-être qu'on invitera Anne au prochain temps d'échange, parce que c'est quand même des choses qui se font malgré tout entre acheteurs publics de plus en plus. Voilà, bah, écoutez, je vais vous proposer de clore ce temps, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui ait absolument envie de parler. Mais Juste sinon. pour ajouter une petite chose, qu'est-ce que je suis bavarde aujourd'hui? Oui. Pour ajouter une petite chose, nous, on a déjà fait plusieurs bulles de coopération et c'est ça qu'on essaye de faire, hein, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table. Et ce qui ressort souvent, c'est que sur un territoire bien précis, eh bien, mettre en avant un projet phare que les uns, les autres puissent venir voir, qu'on puisse discuter sur ce projet phare, je pense que c'est important sur vos territoires à tous, d'identifier des projets phares sur lesquels il y a eu du réemploi, sur lesquels la maîtrise d'œuvre est intervenue, sur lesquels il y a eu peut-être eu après, voilà, qu'il y a eu, où il y a eu plusieurs petites choses qui ont été mises en place. Identifier des projets phares et les partager sur vos territoires, je pense que c'est une bonne piste également. Voilà, à toi Anaïs, pardon. Non, pas de souci, merci Rosa pour l'intervention. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous. On va clore ce moment et puis on vous du coup tiendra informé très rapidement bah, de la suite. Et n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains temps, journée technique qu'adresse le 17 juin qui aura lieu normalement à Florac, mais encore à déterminer avec la co-animation du CSTB. Donc, un moment très intéressant techniquement pour ben, tous les acteurs qui s'intéressent au réemploi et plutôt avec un prisme très matériau pour le coup. Et le 25 juin, on sera à Bassens également en journée technique sur l'économie du réemploi. Donc, on pourra continuer un peu plus avant les échanges aujourd'hui avec peut-être une orientation un peu plus filière en tout cas. Mais n'hésitez pas à vous inscrire. Ça circule sur LinkedIn. On vous remettra les liens d'inscription aussi dans la restitution du webinaire et on ne manquera pas de vous inviter pour le prochain temps d'échange sur le sujet du modèle économique. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée. Et Colline, tu peux couper Merci, au la partie revoir. publique, s'il te plaît. Merci.